C'était la plus belle chose au monde. Je mélange un peu mes souvenirs, que voulez-vous? Il en est tellement passé de garçons devant cette fameuse toile de décor. Et ça a été le début de tout le commerce de photographie dans le pays. Et le même décor, il a servi pendant 50 ans. Nous, au début, on n'était pas tellement doués. Dans la nature, la vraie, on était des sauvages en liberté. On courait. J'étais joliment agile dans ce temps-là. Ici, dans le studio d'artiste, on devenait tout bête, tout stupide. Ils nous montraient les photos. Il les faisait tirer à Naples. Nous, on riait comme des imbéciles, à se voir comme des tableaux d'église. Il tournait autour de nous, il nous changeait le bras de place, il nous bougeait la jambe. Nous, on était ses bourratins, et lui, notre marionnettiste. Enfin, mais ça me flattait tout de même. En ce temps-là, personne ne s'intéressait aux ragazzi. Ils étaient comme la racaille, comme des mouches qu'on chasse. Lui, il nous donnait de l'importance. Du matin au soir, il était avec nous, quelque part, à nous espionner. On aurait dit qu'il craignait de manquer d'un seul de nos gestes. Et quand Aldo tirait l'eau à l'aube, il était déjà debout dans sa fenêtre. Souvent, notre curé n'aimait pas beaucoup tout ça. Mais il ne disait rien parce que les barons, ils donnaient de l'argent pour les pauvres. Il nous lisait des histoires de dieux d'autrefois. On riait dans son dos. On n'osait rien dire parce qu'on avait un peu peur. On le croyait un peu sorcier. On craignait la malédiction. Nous en avons et du temps du roi Ferdinand. Par un poète. Et il avait juste un souffle de vent dans les feuilles autour de nous. Ça nous donnait la chair de poule. Un bar del nostro San Francisco di Paola. Un bar del nostro Salvatore di Gesù. Que ces photos illustraient visaient à prouver l'existence, au-delà des deux sexes officiellement reconnus, de différences intersexuelles à base physiologique, de type physique, expliquant les orientations sexuelles et affectives dites perverses. Pour bénéficier de la reconnaissance hirscheldienne, l'homosexuel devait présenter des symptômes d'intersexualité ou de transsexualité. Hirschfeld a été le plus grand photographe de transsexuel qui ait jamais existé. De la femme à barbe à l'hermaphrodite réel, de la largeur des hanches à l'allure efféminée, la curiosité d'Hirschfeld n'aura de cesse de fonder dans le réel des corps l'explication des choix amoureux. La biologie, l'étude des organes sexuels, la parenté et la continuité qui va des organes mâles aux organes femelles, l'histoire de l'art,
l'étude des plantes et des animaux servent à étayer l'hypothèse d'une explication biologique à l'homosexualité. Il y a dans le travail fou d'Hirschfeld un côté tératologique, un goût pour la galerie de monstres qui effraie encore aujourd'hui. Cette manie de la mention... n'est pas, sauf les vraies maladies. Sinon, le seul but des expériences et des consultations, c'était de prouver l'existence des différences intersexuelles et d'amener les gens à s'accepter tels qu'ils étaient. Le docteur pensait que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des degrés intermédiaires entre l'homme et la femme. Il avait entrepris de le prouver. Il me disait souvent, « Entre vous et moi, Ingrid, quelles sont les vraies différences ? J'ai un clitoris plus développé et perforé, et vous avez un bassin plus large, c'est tout. » Question de nuance, en somme. D'ailleurs, le docteur lui-même aimait à se mettre en femme, quelquefois le soir après le travail. 25 ans avant, il avait publié sa première étude sur le déguisement sexuel, et c'est lui qui avait créé le sens scientifique du mot « travesti ». Il me demandait souvent de l'aider à fermer son corset ou à reposer sa perruque. Alors les bizarreries des autres, ça ne l'effrayait pas. Cette dame que j'avais introduite, je crois qu'elle a... Narcisse, mais des narcisses modernes. On était le modèle universel du plaisir qui avait triomphé de tous les conflits. Narcisse parce qu'on se ressemblait tous, et c'était dans l'eau des canaux d'Amsterdam qui était notre capitale, que notre image nous paraissait la plus naturelle. On mangeait des hamburgers, on marchait en basket. Il y avait l'illusion qu'on était tous des frères incestueux avec nos cheveux longs. L'univers moderne... Je suis revenu à Paris où j'ai vécu quelque temps tout seul, sous les fantasmes, en me satisfaisant de moi seul et d'une glace. Il n'y avait plus que l'enchantement de mon propre corps, enfin débarrassé des sortilèges qui ont si longtemps pesé sur l'amour des garçons pour eux-mêmes. Tout était devenu si gentil, si tendrement pervers. Nous avions tout apprivoisé, même la violence. À nos yeux, elle n'était que de l'incompréhension, de la peur de soi-même, de l'incapacité à assumer ses désirs, le tout durci ensemble. Il suffisait de se laisser aller, de se décomplexer. Les guerres devaient laisser la place au règne du sexe. La prochaine génération que nous annoncions ignorerait les racismes, les sexismes et les refoulements. Baby, when it does, your heart will know. You like
I'm still a lollipop haven. Teddy bears at the foot of your bed. The little boy next door who only makes you sore is gonna someday turn your head. But right now, your time hasn't come yet, baby. You got a few dreams to go. Your time hasn't come yet, baby. C'était toujours beau temps. On n'avait pas alors ces côtés tragiques qui sont apparus après. On était pervers très simplement. On était au-delà des sexes, avec la fraîcheur de notre adolescence. On était sans contrainte et sans complexe. J'ai porté des sabots à Amsterdam, j'avais une tunique indienne à San Francisco et un uniforme de fantaisie à Londres. Et partout, j'étais si heureux d'être moi-même, un vrai trésor de jeunesse désirable. Et je croyais que tous les interdits contre mes goûts amoureux étaient abolis, et toutes sortes de choses adorablement naïves du même style. N'empêche, je ne regrette rien. Bien sûr, vu à distance de maintenant, ça me paraît un peu factice, cette impression de flotter sans attache, d'être jeune à jamais. Nous au moins, nous l'aurons vécu, notre jeunesse. Plus sans doute que nous n'aurons jamais l'occasion de descendants, nos successeurs. Et ça ne m'angoisse pas d'y repenser. C'est comme un temps suspendu. Des fois, un regret me prend, mais je me dis, keep cool même, t'as 35 ans, t'en es pas si mal sorti. Je suis maintenant attaché au cabinet du ministre de l'État.